Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo haul. Il n'y a pas trop de choses. Parce qu'à vrai dire, on a acheté pas mal de choses ce mois-ci. Mais on a fait quand même 2-3 petits achats. Donc normalement vous allez voir dans une vidéo un peu vlog. Je vous montre vite fait l'ordi, tout ça. J'ai enfin pu récupérer mon bureau informatique pour pouvoir le mettre dessus. Bref, du coup l'autre est reparti là-bas. Je vais déjà vous montrer que je suis allée chercher aujourd'hui en relais colis le petit coffret ici de essentiellement.com. Donc celui-ci c'est un coffret mille et une nuits. Hop, ça sent super bon. Alors le juste petit hic c'est qu'il y a plein de palettes partout, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc il est composé de, que je ne dise pas de bêtises, il est composé de une serviette Futa, sel de bain et un savon fiole, tout à la fleur d'oranger. Donc c'est un coffret mille et une nuits. Alors je vous mettrai le lien et tout ça en barre d'infos, mais je vais vous faire un petit article avec les photos et tout, parce que là je veux pas trop le déballer tout de suite. Donc voilà. Ensuite, ça je vous en parlerai en dernier. Ensuite, j'ai commandé sur AliExpress deux t-shirts. Donc j'en ai commandé d'autres mais qui sont pas encore là. Donc ça arrive. Alors, je vais déjà vous les montrer. Hop. Vous allez peut-être voir quelque chose qui peut ou pas, hein, mais moi ça me tire l'œil. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près. Et donc vous allez voir logiquement que la qualité est assez floue. Donc on dirait un petit peu une impression brouillon, mais je sais pas si on voit trop à la caméra et avec l'appareil photo, mais je suis un peu déçue de ça en fait, du fait que ce soit un peu l'impression brouillon. D'ailleurs, sur les deux autres que j'ai, donc celui avec le gros chat d'Alice au Pays des Merveilles, sur le gros chat d'Alice au Pays des Merveilles, et celui avec les princesses Disney en version gothique, c'est aussi un petit peu flou, mais beaucoup moins flagrant que sur ceux-là. Voilà, mais en tout cas ils sont jolis, il n'y a pas de souci. Le tissu est sympa, enfin voilà, mais je trouve quand même que c'est vachement flouté. Voilà, donc là vous dites oui, non mais t'as la mise au point sur tes yeux. Non, c'est bien flouté, c'est assez emmerdant. Ensuite, il y a ce bonnet-ci que j'ai également acheté sur Ali. Donc j'aime beaucoup, ça convient bien autant pour une fille que pour un garçon puisque c'est la mode. Et puis j'ai cette écharpe là que vous avez peut-être pu me voir avec plusieurs fois, que je ne vous ai pas encore présenté. Donc j'ai enlevé le bonnet. Hop, donc j'ai déjà lavé une fois, voire deux, mais il y a plein de poils dessus, mais bon, c'est ça quand t'as les animaux. Il est tout doux, il sent bon. Voilà, donc franchement, je vous mettrai le lien donc aussi en barre d'infos et nickel. Voilà, ensuite, nous sommes allés vite fait à Chaussea et promo, donc ça c'est pour mon chéri, des baskets. Tu te fais les griffes sur les cartons? Donc voilà, des petites baskets toutes simples. Toute simple, que je trouve quand même assez sympa. Bon, il y avait des modèles qui me plaisaient plus, mais mon chéri n'a pas du tout les mêmes goûts que moi au niveau des chaussures. Donc voilà. Mais elles sont plus belles que celles qu'il a actuellement. Donc voilà. Plutôt sympa. Et puis, j'ai trouvé pour moi donc, je vous montre la boîte pour vous voir. Ça va bien se passer. Donc ici le prix à la base est donc de 49,99€ et donc je l'ai eu à 15€. Et bon, je vous en montre qu'une, ça suffit, hein, les deux c'est les mêmes. Voilà, elles sont juste trop belles. Et vu que je me sens on va dire plus à l'aise maintenant avec ma perte de poids pour mettre des petits talons, je les ai trouvées trop belles et je me suis dit voilà, il
les faux, il faut que j'essaye. Je les ai évidemment essayés avant de les acheter, mais elles sont vraiment trop, 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 trop belles. Je disais, pour une petite jupe ou des leggings, pour que ce soit un peu plus féminin, avec des talons, c'est quand même mieux. Et donc, vu que j'aime les bottes en plus, voilà, elles sont vraiment super jolies, donc je suis vraiment contente. 15 € et 49 €, ça vaut quand même le coup. Alors, j'ai acheté ces chaussures chez Just Fab. C'est la dernière fois que je vais commander chez Just Fab. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elles sont très sympas. Franchement, on est super à l'aise dedans. Bon, elles sont pas hyper sexy. Hein, c'est pas. Voilà. Mais, bon, les chaussures de neige, on sait très bien que c'est pas très joli à la base. Il y avait d'autres modèles qui me plaisaient, mais il y avait plus ma taille. Ou voilà, c'était plus dispo. Donc voilà, bon, après, on s'en fout, c'est pour la neige, voilà. Mais bon, vraiment confortable, sympa, tout ça, tout ça. Donc, je reviens à Just Fab. J'ai commandé pour la dernière fois, pourquoi? Donc vous savez, vous m'avez prévenu, je savais ce qui se passait avec Just Fab, hein, il n'y a pas de souci. Sauf que quand je vous en ai parlé, vous m'avez dit fais attention, machin, tout ça. Je vous ai dit oui, je sais comment on s'est réputé, mais je vais me désabonner direct. Sauf que quand j'ai appelé, ils m'ont dit oui, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous cliquez sur ne pas recevoir ce mois-ci, c'est bon, machin. Et donc, c'est ce que j'ai fait le premier mois. Sauf que le deuxième mois, eh ben, j'ai pas reçu de mail pour me dire n'oublie pas de cocher la case pour ne pas recevoir les trucs. Donc, ok. Donc, je les ai appelés un petit peu en râlant, en leur disant que je voudrais être remboursée. Machin, ils ont pas voulu me rembourser. Donc, j'ai eu les 39 € par mois. Et ils m'ont désabonné, mais du coup, je me suis fait un petit peu avoir puisque bah, j'ai pas pu profiter des offres beaucoup moins chères. J'aurais dû en fait appeler après avoir commandé, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. En tout cas, je suis quand même contente de mes bottes. Mais ben, concrètement, je ne pense pas que je me remettrai sur le truc Just Fab. C'est bon, c'est compris, c'est terminé pour moi. Voilà, donc pour en revenir à ça. Donc, petite vidéo rapide. J'ai reçu mon imprimante, je vais aller la chercher. Donc, voilà, 39 € une imprimante. Je ne vais pas vous en parler pendant 107 ans, c'est une imprimante quoi, toute simple. Voilà, donc j'ai un peu galéré avec mon nouvel ordi parce que j'arrivais pas à réinstaller Photoshop CS6. J'ai essayé de le retélécharger, ça n'a pas marché. Donc du coup j'ai dû prendre la version Photoshop CC 2014. Et c'est un peu embêtant parce que du coup bah, j'ai perdu toutes mes données par rapport à comment vous expliquer, j'avais tout un fichier en fait avec les patterns ABR, tout ça. Enfin, vous allez peut-être dire, elle me parle en chinois là. Enfin, bref, tout pour faire des beaux trucs sur Photoshop quoi. Et du coup, ben, j'ai plus rien donc ben, je vais devoir m'amuser à tout rechercher et je suis contente, ouais. Donc, ça, je vais essayer, je pense, je vais le faire la semaine prochaine, tranquillou. Cette semaine, vous montez les vidéos que j'ai faites et que j'ai toujours pas montées. Donc voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.